Bon, on va commencer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une première pour moi sur YouTube. Veuillez m'excuser s'il y a des problèmes techniques ou d'interférences. Ce n'est pas de ma faute. Enfin, en soi si, mais je fais avec le moyen du bord, du coup, nous verrons bien ce que ça va donner. J'espère que vous allez bien. Je vais vous donner un petit aperçu, un petit récap de ce que je vais proposer sur cette chaîne. Ça va être uniquement des lives où je parlerai d'actualités s'il y a qui sont pertinents pour discuter. Et après après c'est des sessions de discussion entre nous, entre vous et moi et du coup voilà. Et mes conseils de lecture, etc. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup en ce moment. Donc, si j'ai deux, trois ouvrages à vous partager, à vous faire donner l'envie de lire, ben, c'est tout bénef. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la première catégorie. La première catégorie, c'est. On va parler d'un peu de l'actualité. Attendez 2 minutes, je prépare les screens. Du coup, hop. Hop. Donc, première catégorie, c'est l'actu du moment. Je regarde vite fait sur mon téléphone si maintenant les screens sont propres. Voilà. Ça concerne la situation en Arménie. Là, je vous partage un tweet de François Devedjian qui alerte sur la situation de là-bas. Ça fait 221 jours, pratiquement 7 mois, que l'Al-Sahr est bloqué, que l'Al-Sahr n'a plus de, ne peut plus se fournir en nourriture, en soins, en gaz, en électricité. Par la dictature du pays voisin. 120 000 habitants sont sous la menace de tout ce qui est la famine, les soins, etc. Donc, et évidemment l'épuration ethnique. Donc c'est un appel à la prière. C'est un appel à la prière que je fais via ce live. Priez pour mon peuple. Pour les chrétiens de la région, c'est très important. C'est très important pour essayer de trouver une solution, quoi, pour que ça passe pas au cap supérieur qui peut être une boucherie en fait. Sinon, il y a un article qui résume plus ou moins la situation de la RTBF. Tous les liens sont dans la description. Pour l'instant, je pense pas que vous avez accès, mais normalement, d'ici 24 heures, je pense que les liens vont être établis. Faut que je vois ça avec YouTube. Sinon, abonnez-vous à ma page Facebook parce que je mettrai les liens au fur et à mesure durant la soirée. Donc là, il y a un article qui résume plus ou moins la situation, qui est pas mal. Donc, je vous conseille d'aller lire ou bien d'aller sur Wikipédia. La fiche Wikipédia, elle est plus ou moins complète. En version anglais. Sinon, si vous voulez aider l'Arménie, je peux vous conseiller deux associations. Il y en a plusieurs, il y en a évidemment beaucoup plus que ça, mais deux auxquelles je connais, je sais le travail qu'ils font et je soutiens. La première, c'est Solidarité Arménie. C'est des Français, enfin. C'est un Arménien de France qui a ouvert l'association, il me semble, il y a quelques années. Et du coup, leur objectif, c'est. Tout est dans le titre. C'est une association humanitaire qui récolte des dons pour développer tout ce qui est sur le plan de l'agriculture, de l'éducation, de tout ça quoi, tous ces centres
les centres pour des orphelinats, etc. Donc ils aident tous ces institutions-là. Donc si vous voulez les aider, vous pouvez aller sur les sites Solidarité Arménie, faire un don, ou bien aller dans la boutique pour acheter des pulls, des t-shirts, des cache-cou, etc. Des stickers aussi au passage. La deuxième association, c'est SOS Chrétien d'Orient. Je pense que cette association vous est familier. Une association qui œuvre dans le Moyen-Orient, en Syrie, au Liban, en Égypte, en Jordanie, en Arménie. Ils sont aussi sur le terrain et également, voilà, une association humanitaire qui aide pour développer les pays ou aider les chrétiens persécutés. Pareil, sur leur site SOS Chrétien d'Orient, vous rentrez où c'est là dans l'onglet Je donne, vous pouvez faire un don pour l'association. C'est tout ce que j'avais à dire pour les aides. Après, il existe énormément d'associations, comment dire, nationales, enfin, comment dire, communautaires plutôt. Vous pouvez vous diriger par exemple près du CCAF par exemple, ou autres organismes. Ils peuvent vous aider pour tout ce qui est dons, pour tout ce qui est association, etc. Donc voilà, c'était un petit point sur l'actu brûlante. J'ai pas envie de trop rester dessus, sinon je risque de m'énerver. Et on est là pour être dans la bonne humeur et la joie. Donc, moi, l'objectif, c'est de vous partager vraiment, du positif, du positif, de la bonne vibe, quoi. Pas du grincheux, pas qu'on soit pas renfermé en fait, pas que nous ne soyons pas crispés en fait. Du coup, là je vois il y a trois spectateurs. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat, je peux vous lire en direct. N'hésitez pas à vous abonner aussi au passage. C'est gratuit, il n'y a pas de. Voilà, c'est pas. Un petit abonnement, une petite cloche pour avoir les notifications des futurs lives. Les lives seront deux fois par semaine, les mardis et les jeudis. Les heures, je peux pas vous garantir d'heures précises. Et. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à écrire, hein. Je lis tout, je vois tout. Deuxième rubrique, c'est. Ah oui, c'est les blogs. C'est les blogs. Bon. Avec moi, je vous conseille de prendre un bic et une feuille. Je vous conseille de prendre un bic et une feuille. Parce qu'il y a de quoi prendre note de temps en temps. Enfin, pas maintenant, mais. Il y aura souvent du contenu, quoi. Enfin, si je peux créer une grosse communauté et inviter par la suite des acteurs majeurs de la foi. Du christianisme. Acteur majeur, je parle d'écrivain, de penseur, on va dire, d'intellectuel, ou bien des pasteurs, etc.
Si maintenant je peux progresser en termes techniques et les inviter par la suite dans les lives pour avoir des discussions, etc., ça peut être intéressant et c'est pour ça que je vous dis de prendre un bloc de feuilles et un bic. On va passer directement à la deuxième thématique. Ouf. En fait, je me suis amusé à faire quelque chose que j'avais perdu l'habitude de faire. Et j'essaie de reprendre un peu ce rythme-là. C'est lire des blogs. Avant, j'étais pratiquement tous les jours sur des blogs. Je passais mes journées dessus. Franchement, cette semaine, j'ai commencé à un peu éplucher tous les blogs auxquels à l'époque j'y allais. Là, je suis tombé sur un article qui est intéressant. Un article sur la déchéance du monde et l'amour de Dieu. De Tim Charlie sur le site Évangile 21. Et je vous conseille d'aller regarder ce site. Il y a en deux versions. Il y a la version anglophone. En fait, il y a plusieurs éditions. Il y a, voilà, il y a la version africaine, arabe, australienne, brésilienne, canadienne, etc. Évangile 21, c'est la section francophone. Et cet article que j'ai mis dans la description, je vais pas vous spoil. Je vais pas vous spoil pour pas pour que pour que vous puissiez aller le lire par vous-même. En gros, c'est un article. Je vais parler des grands traits. Ça parle d'une réflexion que notre ami Tim a eue concernant l'euthanasie au Canada. En gros, voilà. Il a reçu un article d'un ami concernant l'euthanasie au Canada et sur la politique canadienne à ce niveau-là. Et il s'est mis à réfléchir concernant le monde qui l'entoure. Et je trouve qu'il soulève des points très intéressants. Et franchement, je recommande l'article, mais à 200%. Et cet article-là, en allant sur le site de parlafoi.fr, ce site-là, c'est le site de mes amis, c'est des camarades à moi, j'en connais certains. Je suis tombé par hasard, en fait, vraiment vers c'était les premiers, c'était vers les derniers articles. Thomas Taquin contre le suicide, un article de Laurent Danguevu. Qui a en fait retranscrit un des passages du bouquin de Thomas Taquin avec des arguments qui sont des arguments et des solutions qui sont pas mal à retenir, à prendre note afin de comment dire de lors d'une discussion par exemple. Ou si on doit tenir une position, je pense que la défense dans l'article est pas mal structurée pour avoir un petit support, un petit appui. Et je pense que en tant que chrétien, on vit dans une société actuellement très très sombre, très comment dire, destructrice des valeurs morales, de l'éthique. Et je pense que voilà. Avoir des blogs qui parlent de sujets un peu lourds, un peu compliqués, afin de nous faire dégager une pensée, est une bonne chose en fait. Du coup, je vous fais part de l'article que j'ai trouvé. Tout est dans la description, comme d'habitude. Vous cliquez en bas de la vidéo, vous avez tous les liens. Et. Donc ça c'est pour l'aspect social, enfin sociétal, le suicide et l'euthanasie. Et je suis tombé sur un autre article
Cette fois-ci, ça c'est un peu d'histoire. Un peu d'histoire sur le christianisme, sur notre mouvement. C'est sur le site de toutpoursagloire.com, l'histoire des deux premiers martyrs de la réforme protestante. De Benjamin Higgins, c'est un jeune que je connais, enfin, je ne le connais pas personnellement, mais je suis le blog toutpoursagloire.com et j'ai souvent vu des articles de lui. Et à l'époque, je ne savais pas qu'il était à Bruxelles, mais il est étudiant à Bruxelles, à l'Institut biblique de Bruxelles, à l'IBB. Et j'ai vu qu'il a fait un chouette article concernant l'histoire des deux premiers martyrs de la réforme protestante. Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant que en Belgique, je suis belge de base, donc voilà, je savais pas qu'en Belgique, il y avait, on va dire, des réformateurs un peu qui avaient de l'influence. Donc voilà, j'ai lu l'article, très intéressant, très instruisant. Si maintenant vous voulez pas lire l'article, il a fait une très bonne vidéo, hop, postée ici sur sa chaîne Benjamin Higgins. Tout est dans la description, les liens des vidéos normalement fonctionne. Vous avez accès à la vidéo facilement. Dernière vidéo, une vidéo que j'ai regardée qui m'a pas mal plu, c'est sur la chaîne Prêche la Parole, la chaîne de Pascal Desnaud, qui a fait, je suis son émission Quorum Duo de manière assidue. Je pense, en vérité, je pense que j'ai tout regardé. En vérité, depuis le premier épisode. Wow. Du premier épisode jusqu'à là, au 300e. Je pense que j'ai regardé, j'ai écouté en podcast. Et tout le reste, les quatre derniers là, je les ai regardés via la chaîne YouTube. Et il a sorti une vidéo concernant le wokisme de droite. Elle a l'air intéressante, elle a l'air pas mal. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, on doit. Enfin, je pense que les chrétiens qui regarderont ce live doivent regarder cette vidéo-là, parce que je pense que nous sommes majoritairement des conservateurs. Certains parmi nous, beaucoup plus. Du coup, je pense que cette vidéo-là pourra permettre de un peu canaliser en fait cette frustration que nous avons, nous, en tant que chrétiens, parce que nous, comme j'ai dit auparavant, nous sommes dans une société où maintenant le fait d'être, par exemple, contre l'avortement ou bien contre le mois de la fierté, des fiertés, ou enfin bref, ou bien être contre le mariage homosexuel, etc. fait de nous des limites, on va dire ça comme ça, des parias de la société, des dissidents, etc. Et je pense que cette vidéo-là peut permettre de comprendre cette frustration que nous avons et essayer de, voilà, trouver un juste milieu à travers tout ça. Et voilà, donc c'est une vidéo que j'ai mis en description, facile d'accès. N'hésitez pas à aller la consulter, il n'y a pas de problème. Et du coup, n'hésitez pas à aller regarder les autres épisodes de Quorum Duo, c'est vraiment très pertinent. Et c'est vraiment aller écouter les yeux fermés. Vraiment, en mode podcast sur Spotify, c'est disponible. Vous tapez Quorum Duo, vous allez avoir tous les podcasts. Allez écouter et vous allez voir, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du costaud. Là. Tac, nous avons terminé avec la catégorie 2 des articles de blog ainsi que les vidéos que j'ai pu voir, trouver cette semaine sur Internet. Là, je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu. Hop.
Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Fais les annonces en même temps, je renvoie, on va dire, les. C'est pas évident, j'avoue. Donc là, on a fait l'actu, on a vu les articles, de la semaine. Là, on va parler de bouquins. Là, je suis en train de lire deux bouquins. Ce live-là, il va être. Je vais le laisser en. Rediffusion. Je vais le laisser en rediffusion. Je pense que les autres lives aussi vont rester. Et après, peut-être que je vais ajouter des time codes. On verra ça après. Pour que ça facilite ceux qui viennent après pour visualiser le live, quoi. Les trois personnes qui sont présentes, manifestez-vous, n'hésitez pas. Je ne mange personne. Vous pouvez écrire dans le chat. Vous abonner. Salut camarade. Bon, ça va super, hein, la forme, et toi? Je vais rester encore, enfin je vais rester encore. Je vais attendre vite fait qu'il y ait un public. 30 secondes, si ça avance pas, c'est pas grave, je continuerai le live. Ton live sera en rediffusion pour regarder le début après le live. Ouais, je vais laisser le live. Je vais mettre des time codes pour les trois parties. Enfin pour les trois parties et puis c'est tout, hein. Je vais faire ça comme ça. Je vais laisser mettre le time code, garder les liens dans la description des différents articles. Normalement demain ça va le truc pour les liens ça va être débloqué, du coup normalement les gens auront accès. Là, ça fait 25 minutes et je vais lancer la deuxième partie, enfin la troisième partie plutôt. Ce mois-ci, j'ai lu quoi? Ce mois-ci, j'ai lu quoi, les amis? Ce mois-ci, j'ai lu Sacré Désaccord, un livre de James Ely Hutchinson. Je l'ai terminé hier. En vrai, dites. Benji, dis-moi si l'écriture c'est à l'endroit ou à l'envers. Est-ce que tu vois à l'endroit ou à l'envers? J'ai terminé aujourd'hui. Non, j'ai terminé hier plutôt. Hier, en vrai, c'est un très bon livre
aux éditions BLF qui coûte 18 euros. En gros, le bouquin parle de comment, en tant que chrétien, nous devons essayer, enfin, nous devons savoir faire le tri entre ce qui est prioritaire à défendre et ce qui est secondaire et ce qui est tertiaire. Je pense qu'un. Bon, j'ai lu le bouquin. C'est. Moi, pour parler de mon cas personnel, c'est très compliqué. Parce qu'il y a certains dilemmes, il y a certaines thématiques où je peux être très radical. Je sais que c'est un problème. Les méthodes qui donnent dans le bouquin, en vérité, elles sont excellentes. Elles sont excellentes. En fait, il suffit juste une remise en question, de faire une remise en question pour essayer de pas créer de division inutile au sein d'une église ou au sein même du christianisme. Et vraiment, je recommande ce bouquin-là. James Hutchinson, c'est le directeur de l'IBB, de l'Institut biblique de Bruxelles. C'est un excellent ouvrage. En vrai de vrai, c'est un excellent ouvrage que je recommande. 18 euros, édition BLF. Excellent, excellent bouquin. Je pense que même les églises doivent acheter quelques exemplaires pour distribuer dans les assemblées. Actuellement, je suis en train de plonger. Je suis en train de plonger mon cerveau dans un autre bouquin. C'est Le déclin de la chrétienté en Occident. Un livre de Hugues MacLeod. 24 euros. Aux éditions Labor et Fides. C'est un ouvrage. C'est un gros pavé. C'est un gros pavé de 438 pages, plus la bibliographie et la bibliographie et les annexes. Donc je suis à peine au début. C'est dense, c'est très dense. Je pense que si maintenant les chrétiens veulent comprendre pourquoi nous sommes dans une situation, on va dire, critique. Non, pas on va dire. Nous sommes dans une situation critique. Ce bouquin-là va vous faire comprendre pourquoi. Je suis à peine au début. Il y a certains points où si une personne lambda, un chrétien lambda, lit, quelqu'un qui n'est pas, on va dire, qui ne prend pas pleinement conscience de ce qui se passe autour de lui, et que pour lui, on va dire que tout va bien. En lisant ça, il y a des passages où il va comprendre qu'en partie, il est responsable de ce qui se passe. Et en partie, nous sommes responsables de ce qui se passe, en fait. Et c'est quelque chose, en fait, qu'il faut. J'ai à peine commencé le bouquin, je suis à la page 16-17. Je sais pas s'il apporte des solutions, mais j'ai déjà 2-3 idées en tête, quoi. Mais je vais vous faire part après, par la suite. Du coup, on passe. Là, c'est ce que je suis en train de lire pour ce mois-ci, ces deux bouquins-là. Le mois prochain, je suis en vacances. À partir du 1er. Je regarde ça. Pardon, à partir du 1er août, il n'y a plus de live jusque le 19. Hop. Ouais. 1er août, plus de live. Ça va être le dernier live le 1er août. Après, il n'y aura plus rien jusqu'au 19. Durant le mois de août, je vais lire ce bouquin. C'est pas théologique, c'est social. La révolte des élites et la trahison de la démocratie de Christopher Lasch aux éditions Flammarion. Prépassé par Jean-Claude Michéa. J'ai beaucoup entendu parler de ce bouquin, de cet ouvrage. C'est un classique dans la sociologie. Donc je pense que ça va me plaire. Je pense que ça va me plaire. Et le deuxième ouvrage, ça va être
Nous sommes tous des théologiens de Sproul aux éditions La Rochelle. Celui-ci, je l'avoue, j'ai reçu gratuitement. J'ai feuilleté le PDF. J'ai en deux versions, PDF et en version physique. Là, je vais commencer la version physique le mois prochain. Et je vous dirai quoi. Je vous dirai ce que je pense. Tous ceux à qui j'ai montré le bouquin m'ont dit c'est un gros classique et tu vas te régaler. Donc j'ai confiance en mes camarades. Donc voilà. Et puis je vais vous montrer ce que je vais acheter en septembre-octobre. Je pense plutôt décaler en octobre-novembre. Parce que c'est un sacré budget là pour ce que je vais vous montrer en total. Hop. Donc, aux éditions Excelsis, je vais acheter ces trois bouquins. Le sacerdoce de tous les étudiants, les six conversations, la théologie six. Thématique, deuxième édition, revisité et argumenté. Le dernier, je pense que je vais quand même vérifier. Il me semble que je l'ai chez moi à l'appartement, toujours sous blister. Mais je sais pas si c'est celui-ci ou un autre. Donc, je vais aller le vérifier. Et les deux premiers là, les six conversations, je pense que ça peut être un très bon moyen. En fait, j'ai un autre bouquin qui est celui-ci là, Les relations transformées. Et je pense que ces deux bouquins peuvent être complémentaires parce que, en fait, nous sommes dans une société où tout le monde est isolé, tout le monde est. Nous sommes dans une société individuelle. Et je pense que ce genre de bouquin peut permettre à créer des liens, en fait, d'essayer de transformer une relation en relation fraternelle qui peuvent être beaucoup plus fort que un simple bonjour, comment tu vas, ça va bien et toi? Fin de discussion. Donc, je vais voir, je vais acheter ces deux bouquins là, les deux premiers. Le troisième, je dois vérifier si je l'ai pas dans ma bibliothèque. Il me semble que je l'ai, mais je suis pas sûr. On va voir. Voilà, ça c'est pour les éditions XL6. Ça fait déjà un sacré budget. 111 euros au mois. Pour le mois d'octobre. Je pense que ma femme va me déglinguer, mais c'est pas grave. C'est pour Dieu. C'est pas pour moi. Chez Labor et Fides, je vais acheter. Il va acheter. En fait. À partir du mois de septembre, je vais essayer de me pencher sur un peu l'écologie chrétienne et pas les mouvements antisémites, mais l'antijudaïsme qui peut régner dans certains mouvements chrétiens. Donc pour tout ce qui est question écologique, je pense que je vais acheter ce bouquin-là, chez Labor et Fides, penser les fondements philosophiques de la conversion écologique. Je pense que ça peut être un bon début de réflexion. Pour voir ce que propose la Bible à la lumière, enfin, ce que propose la Bible concernant l'écologie. Et vu que c'est un sujet, en fait, qu'on le veuille ou non, réchauffement climatique, etc., oui, quelque part, oui, qu'on soit d'accord ou pas, on peut être sceptique, etc., sur les intentions des écologistes, mais en fait, ne soyons pas en fait dans la caricature à dire à tout rejeter en fait. Donc la question écologique, je pense qu'elle est importante à aborder. Et justement, je pense que en tant que chrétien, on doit aussi essayer de trouver des solutions. Alors autant aller directement chercher ce qu'il faut, quoi. Deux autres ouvrages que j'avais dans la liste mais qui a disparu, c'était sur Luther. C'était sur Luther. L'antisémitisme de Luther. Oh, où est le bouquin? Voilà. Ce bouquin-là. Hop.
Ah non, pas celui-ci. Pas celui-là. Désolé. Voilà, c'est celui-ci de Thomas Kaufmann. Les Juifs de Luther. Celui-ci aussi m'a l'air intéressant. Du coup, je peux pas dire plus. Je ne connais pas le contenu de cet ouvrage. Et l'autre bouquin, c'est Anti-judaïsme. Toc. C'est ce bouquin-là de Nuremberg David sur l'antijudaïsme. On va voir ce que ça donne. J'espère que je serai pas déçu. J'espère que je vais apprendre énormément. Après, bon, Labori Fides, c'est comme Excelsis. Je sais que c'est la maison, c'est la famille. Ça va être intéressant. Le bouquin que je suis en train de lire sur le déclin de la chrétienté en Occident, ça vient de chez eux et du chapitre à la page 16. Si je devais surligner tout ce qui était important, je pense que déjà là, toutes les pages auraient été soulignées. Et chez Publication Chrétienne, il y a un seul ouvrage qui m'a intéressé, c'est Foi chrétienne et libéralisme. J'entends beaucoup parler ces derniers temps du combat des chrétiens réformés contre les chrétiens libéraux. Je pense que cet ouvrage parle de ça. Ouais, en lisant la description, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc, je vais commander ça. Peut-être que, vu qu'il coûte 25 $, enfin, c'est possible de convertir comment on appelle ça, en euros. Je pense que je vais commander ça en premier. Puis après, les ouvrages de chez Labor et Fides, 91 €. Et puis après, on va passer à Excel 6. Voilà, c'est tout pour les conseils de lecture, les futurs achats, etc. Du coup, là, ça fait 40 minutes que je suis en live. Je vais vous laisser sur ça. 40 minutes, je crois que c'est déjà pas mal. Parce qu'après ça va être converti en vidéo, donc je pense que c'est pas mal. Et du coup, je regarde un peu. Tac. Du coup, on se retrouve un mardi. Un mardi, d'ici là, je pense que je vais améliorer beaucoup de choses en termes de technique. En termes techniques. Donc voilà, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse, passez une bonne semaine et un bon week-end et à mardi.